Bonsoir, Émilie. Bonsoir. À demain. Bonsoir. Émilie. Au revoir, Steve. Tu vas pas un peu tôt? Au contraire, il est tard. Au fait, je trouve que la visite du moulin à vent dans la ludothèque prend trop de temps. Pas du tout, pour moi, c'est parfait. Comprends-moi, j'aime bien le moulin à vent, mais... On pourrait pas en parler de ça demain. Mais Émilie, c'est très important. Pourquoi Émilie? Steven, comment veux-tu que je t'évite au travail au même endroit? Écoute-moi, Émilie, j'ai pas mal de difficultés avec des clients. Steven, on est en train de divorcer. Au revoir, Émilie. Aujourd'hui, forte rafale de vent nord, soufflant à 23 km à l'heure, une piste glacée fait grelotter les New Yorkais et la ville est en zéro. Bien sûr, le thermomètre indique qu'avec optimisme, mais on se croirait à moins 4 degrés. Bon, toutefois, un anticyclone se rapproche de la côte. Et pourrait sous-créer quelques modifications si nous fermons les eaux à 1000 dans le 1000. Eh bien, nous aurons sans doute des exercices sur tout genre, puisque la température avoisine à quand même 0 degré. Alors chacun sa petite laine. Il fait frisquet. Oh là. Un peu, j'étais fermé. Oui, presque. Merci, Harry. Au revoir. Au revoir. À demain, Émilie. Bonsoir, Jenny. Si tu cries, je t'enfonce le couteau dans ton joli petit cou. Est-ce que t'as compris? Alors je veux t'entendre dire oui. Je suis d'accord. Plus fort, j'entends rien. Oui. Je suis d'accord. Est-ce que t'as des dessous? Faites pas de mal. T'as quoi sur toi? Un haut et un bas? Un quoi? Pitié! Pitié! Fais-moi voir! Fais-moi voir! Allez, soulève voir ton pull! Non! Non! Arrête tes conneries! T'es cinglé ou quoi? Fais ce que je te dis! T'as intérêt à m'obéir!
Allez, maintenant baisse-le, mon cœur. Et baisse-le, bon Dieu. Vous rappelez-vous un détail quelconque de cet incident? Ou bien un début de signalement? N'importe quoi. Bégaiement. Théorie sur le bégaiement. Nous savons que ça n'est pas facile, tout cela. Et vous n'êtes pas tenu de nous dire ce que vous n'auriez pas envie de dire. Émilie, c'est Andrea. Qui êtes-vous? Je voudrais voir Émilie. Officier de police. Qu'est-ce qui se passe? Émilie?
Vous êtes amie, mademoiselle Le... Glassen. Glassen. Que s'est-il passé? Effraction. Et après, agression. Asseyez-vous, mademoiselle Glassen. La présence d'une amie facilite parfois les choses. Émilie, si l'homme s'est déjà livré à ce genre d'acte, et s'il a été arrêté... Laissez-lui le temps de se ressaisir. Elle avait autrefois un peu de difficulté je avec... Je peux parler seule. Je vous l'ai dit, il faisait noir. Je n'y voyais rien. Il voulait me faire du mal. Il était très cruel. De Lander. Je sais dans quel désarroi vous êtes. Et je me rends compte qu'il ne vous sera pas très facile de fournir un signalement. Ou de décrire ce qu'il a fait. Vous la rendez nerveuse. Préférez-vous le porter par écrit? Ça vous aidera peut-être. C'est pas une affaire facile. Sauf si vous collaborez. Vous comprenez? Mais regardez, vous voyez bien que vous la rendez nerveuse. Écoutez. Ce que je veux, moi, c'est qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Ce qu'il faudrait me donner, c'est... si vous retrouviez un petit détail. Ce qu'il portait sur lui, ou... si vous pouviez vous rappeler sa voix, ou son visage. N'importe quoi. Vous pouvez téléphoner à ce numéro-là, ou faire un saut au bureau. J'y serai. Toujours prêt à vous écouter. D'accord? Rien ne t'oblige à lui révéler quoi que ce soit. Il n'y aura jamais celui qui a fait le coup. Je vais nous faire du café. On va parler. À une chose. Après ce qui s'est passé, tu ne devrais pas rester ici toute seule. Andrea? Oui? Tu m'en voudras pas, mais tu veux bien, s'il te plaît, partir. Bien sûr, comme tu veux. Je veux décider seule. Thank you.
Parfait, une petite signature, là où il y a la croix. Il faut bien que vous avez eu une chance inouïe d'en trouver une disponible. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Rappelez-nous de temps en temps. Nous, de notre côté, nous faisons des recherches dans ce sens. Et maintenant, le petit chèque. Oh, je m'excuse. Je ne vous appellerai que si nous avons trouvé le studio que vous recherchez. Oh non, absolument pas. Nous n'avons que de très belles affaires, monsieur. D'ailleurs, j'y veillerai moi-même, personnellement. Oui, oui, lundi c'est fermé, mais il y a toujours un réfugeur. C'est entendu, je vous en prie. Non, mais pas du tout, absolument pas. Nous sommes là pour cela, monsieur. Bien entendu. Et pas d'animaux dans l'immeuble. Bonsoir, c'est votre nouvelle voisine du 6G. Oui. Mon téléphone n'est pas encore branché. Alors, je me demandais si je vous en prie. Merci. Là-bas, au fond. Allô? Steven? Emily, je travaille un peu plus tard là, pour accrocher un machin et Dis-donc, qu'est-ce qui se passe? T'es pas venu travailler aujourd'hui? Je t'ai téléphoné, mais... Steven, je te raconterai plus tard, mais là, je... Il y a eu de l'imprévu, j'ai besoin de toi. Oui? Il faut que je déménage immédiatement, demain matin. Et pour le travail? Ben, Steven, j'ai besoin que tu m'aides. Ça, je sais pas. Steven, tu pourrais pas venir en voiture ou même m'envoyer un gars avec un fourgon? Bon, ben, d'accord, oui, je t'enverrai quelqu'un. Ah, super. Et à quelle heure? À 8 heures. Mais bon, je t'achèterai. Merci mille fois, Steven, merci. Je vous remercie. Vous savez, mademoiselle, il y a un téléphone. Et payant, c'est évident, dans le hall en bas. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Je n'avais pas réalisé que... Ce n'est pas si grave. Vous n'en saviez rien. Merci. C'est très gentil. C'est bien normal. Un chasseur sachant chasser sans son chien. Cette chair sauge séchée. Cette chair
sauges séchées. Des chemises sèches et archi-sèches. Des chemises sèches et archi-sèches. Gros gras, crin, gris de riz, pruno cuit, pruno cru. Gros gras, crin, gris de riz, pruno cuit, pruno cru. La dolicocéphale s'appale sur son sofa et fait la folle. La dolicocéphale s'appale sur son sofa et fait la folle. Un petit pas, pépé papote et empile ses pépites. Un petit pas, pépé papote et empile ses pépites. Mademoiselle Hollander. Appelez-moi, s'il vous plaît. On va au 3 Cranberry, c'est ça? Oui. Allô? Emily? Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Steven? Emily, tu devrais venir travailler. Quoi? Ben écoute, moi, je suis responsable d'un personnel et le labyrinthe n'est pas encore fini. Oh mon Dieu, on vient pas m'aider? Je peux pas envoyer des gens partout comme ça, à craque. Bon, t'en fais pas, c'est ma faute. Au revoir, Steven. Emily. Qui est là? C'est moi. Andrea, salut. Salut. Je t'ai téléphoné hier soir. Tu vas bien? Je déménage. Oh. Pour où? En face, sur les quais. J'aurai un portier, de la peinture toute neuve et une vue. Je devrais réfléchir avant. C'est fait. Vivre ici, j'y arrive plus. Je peux pas. Je peux pas. D'ailleurs, je signe le bail. Tu
Tu as dit à Steven ce qui s'est passé? À quoi bon? Il paraît que je ne sais pas choisir mes bons hommes. Non. Mais le psy, comment il réagit? Marine, il me dit, ce genre de truc. J'ai jamais été très à l'aise avec le docteur Marine de toute façon, et maintenant ça n'a plus d'importance parce que je mets mon argent dans mon loyer. Mais de l'argent, je t'en prête autant qu'il faut. Tu es gentil, non? Qui est là? Qui est? Oh, mais enfin, qui est-ce qui est? Ah! Ah! Hey, mon cœur! J'ai une demoiselle là qui voudrait te voir. Mademoiselle. Hollander. Émilie Hollander. Émilie Hollander. Cet escalier là, vous montez au premier, première porte à votre gauche. Émilie? Excusez-moi, j'aurais dû la laisser ouverte. Entrez. Vous voulez vous asseoir? Chez Persky, si tu as besoin de main. Il est revenu. Quand? Ce matin. Il a voulu forcer ma porte, mais André l'a repoussé. Et l'autre soir? Il avait un couteau et il l'a pointé sur ma gorge. La bouche. Je ne pouvais plus respirer.
arraché mon manteau. Et il m'a fait baisser mon soutien-gorge. Il avait un magnétophone et j'ai dû gémir et faire... C'est affreux. Mon Dieu, j'ai eu si peur. Vous avez vu son visage? Aujourd'hui, j'ai... Très, très vite, oui. Sale type, très sale type. Écoutez, vous voulez que je vous ramène en voiture? Oh non, non, non. Non, non, c'est inutile, je vous assure, je rentrerai en taxi. Vraiment, les taxis, j'aime bien. Oui? Toi, Tim? Non, salut, Frono. Où est-ce que... À côté, chez Persky. Merci. T'en prie. Jackie? Salut, Frono. Dis donc, il y a une certaine mademoiselle Hollander qui va descendre. Appelle-lui un taxi, tu veux? Bien sûr. Mademoiselle Hollander, nous avons monté vos affaires. Mes affaires? Une dame en voiture de sport qu'elle était. Elle est montée deux fois. Je vous remercie. Elle a le chat. Merci. Tu n'as pas touché à ton verre. Oh, je ne bois jamais beaucoup. Bon. Portons un toast à l'amitié. À l'amitié. Tu sais, tu as une pièce sublime. Reste avec moi. Dîne ici. Oh, Andrea, non, je regrette. Il faut vraiment que je rentre. Mais j'aimerais bien qu'on déjeune toutes les deux cette semaine. Très volontiers. Où est Jenny? Oh, dans les parages. Au fait, j'y pense. Comment ça s'est passé avec la police? Oh, ma foi, ils ont été très gentils. Ah bon? Mm-hmm. Mais ils ne savent pas qui a fait le coup, bien sûr. Non, pas encore. Jenny? Jenny, on va rentrer. Alors, c'est décidé, tu ne restes pas. Non, je regrette, non. Jenny? Ah, la voilà. Laisse-moi faire. Jenny! Oh. Jenny, oh, faut pas lui en vouloir. Tu voulais pas faire bobo à Andrea? Non, non, c'est pas grave. Tiens. Je m'excuse pour ce coup de griffe. Penses-tu? Comment comptes-tu rentrer? Taxi. Ah, je te raccompagne. J'y tiens. Vous êtes là depuis longtemps?
prend à peine 2 minutes. Vous êtes littéralement volatilisé. Comment m'avez-vous retrouvé? Secret professionnel. En appelant les services de recherche. Vous avez une vue superbe. Vous êtes de service? Il y a une petite boulangerie. Et en plus, ils font un restaurant aussi. Une fois par semaine, je traverse le pont et je viens acheter des gâteaux, des petits. Sur la lancée, je suis passé voir comment vous allez. C'est gentil. Gentil. Le restaurant dont je vous parle, il est formidable. Oui, il va falloir que j'y aille, moi aussi. Pourquoi on n'irait pas ce soir? Je ne peux, je regrette. Excusez-moi, non. Dites votre deux pièces, il sera très, très bien. Quand vous l'aurez arrangé. Je vais vous laisser. Merci de votre petite visite. Bob. Bob. Un de ces jours. Il ne faut jamais acheter cher en poche, attention. Oh. Bonsoir. Bientôt, je trouve. Ah non! Tu viens en prendre un café. Je file. J'ai tout arrêté avec le docteur Marine. Je t'appellerai un de ces jours. Ah. Belle journée, hein, Larry? Laurence. Où on va? Brooklyn, au musée pour les enfants. Vous m'arrêterez à l'entrée dans la 80e. OK? Ouais. Andrea, comment allez-vous ce matin? Andrea. Quoi? Quelque chose vous trouble? Enfin, je veux dire, en ce moment précis. Non. Rien. Vous paraissez préoccupé. Et vous voulez savoir pourquoi? Si vous souhaitez m'en faire part. J'écris un poème. Une nouvelle œuvre. Voulez-vous l'entendre? Volontiers. Le thème en est l'amour. Vous savez, Larry, les autres sentent ce qu'on sent en soi. Et mon cul. Vous êtes cinglé, ma parole. Comme si vous saviez ce que c'est faire le taxi. Plus fort, j'entends rien. Au coin.
compteur, lui, il tourne. Ouais, c'est normal. Et mon cul. Il est normal, mon cul. Que je vous ai déjà vu. Oh, j'en doute, Larry. Et pourquoi vous m'appelez Larry? Laurence, je m'appelle. Et mon cul, il s'appelle Larry? Désolé, Laurence. Ah, quand même, hein, je vous ai déjà vu. C'est là, juste là. Mettez-vous là, Larry. Allez, tête de con, sors de ton bahut. Allez, manne-moi, sors de là. Qu'est-ce que j'ai fait, espèce de salope? Allez, mais qu'est-ce que tu prends? Allez, allons-toi là-dessus. Vous pouvez réserver vos déclarations. Il est malade, ce con. N'excite pas, tu lui diras tout ça. Au bloc. Comment ça, au bloc? Je te dis, oui. Mais je vais t'apprendre, moi. Mais voilà. Mais ne bouge pas, allez. Vous me faites chier, là, attends. Vous êtes dingue. Dans ce genre d'affaires, j'ai vu régulièrement des avocats de la défense démolir des témoins.
J'ai l'impression que vous ne croyez pas que je pourrais vous aider en me présentant devant la justice. Mais je ne voulais pas dire que vous ne sauriez pas vous en tirer. Je sais ce que vous voulez dire, Lufondo. Ça, c'est faux. Absolument faux. Émilie. Ça va ce soir? C'est vous qui enquêtez. Percez-moi à jour. Je vais essayer. Des gens qui vous aiment. Je vous regarde, Tina et vous, et je vois paix et contentement. Mais bien sûr, et dites-vous bien que ce ne sera pas la seule fois. C'est-à-dire si vous nous aidez à garder ce que nous avons. Et nous nous efforcerons de protéger cette toute petite bande de territoire qui est nôtre. Nous pouvons parler de votre enfant. Notre enfant. Je vous remercie. Mais serez-vous heureuse, Charlotte? Oh, Terry, pourquoi demander la lune? Nous avons les étoiles. Je peux être fière de moi, je n'ai pleuré qu'une fois. J'adore ces vieux films. Je n'ai pas encore pu accrocher mes rideaux. Vous venez de voir Une femme cherche son destin avec Bette Davis et Paul Emerick. Nous vous donnons rendez-vous pour notre programme spécial hebdomadaire à la découverte du cinéma d'hier. J'espère que le poulet est à votre goût. Oui, j'aime bien le poulet. Il faut que vous partiez? Oui, il faut que je parte. Faut que je reprenne mon manteau. Ah, bien sûr. Je vous téléphonerai. Vous le ferez? Mettez en position, verrou.
Andrea, il est très important que vous fassiez nettement la distinction entre ce qui devrait se passer et ce qui se passe en réalité. Alors, ceci a-t-il un rapport avec l'un de vos poèmes? Pour vous, ça a de l'importance. Et pour vous, ça n'en a aucune? Non. Se passe-t-il quelque chose concrètement? Oui. Ou est-ce un événement que vous souhaiteriez voir se passer? Je sais très bien ce que moi je veux. C'est une image, je pense. Et je sais comment l'atteindre. Et vous en êtes ouverte? J'en parlerai. Mais je n'ai rien dit encore, mais j'en parlerai. Vous en êtes certaine? Oui! Oui. Pourquoi insinuer que je ne le ferai pas? J'ai merveilleusement dîné. Oh oui, ça m'a bien plu. Le pont, la petite marche à pied, ça tient toujours? Oui, il fait si beau. Oui. Oh oui. On doit voir mon appartement de là-haut. Rien. Ah, écoutez, Bob, je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, j'ai un peu de fièvre et la tête qui... Il me semble que je couvre quelque chose. Coup de froid sur le pont? Oui. Il vaudrait peut-être mieux écourter la soirée. Votre avis? Allô? Il n'y a personne. Espèce de salopard. Ne la touche pas. Qui était-ce? Personne.
aujourd'hui, vous perdez votre temps. Oui. Et c'est vous qui payez, pas moi. Ceci ne vous apporte aucun secours. J'ignore pourquoi vous me faites venir ici. Je n'ai pas envie de vous parler. Pourquoi avez-vous bu? Vous arrive-t-il de comprendre quelque chose? Ce fut l'hiver où l'amour s'anéantit. Notre feu partagé vacilla. Refusé, rejeté, repoussé. Excusez-moi, je vais gerber. Euphrano? Je savais que c'était toi. Je pensais justement à toi. Ça y est, tu peux plus mettre tes voilages? Non, mais Bob, ma voisine, Ida Marx, son mari a disparu. Il est absent depuis quand? Depuis 2 heures. Tu sais où il est allé? Eh bien, Ida et Marx, ils ont cru entendre des bruits dans mon appartement. C'était sans doute Jenny. Alors Sam est allé voir. Et alors? Il n'est jamais revenu. Rien de surprenant. Où es-tu en ce moment? Chez moi. Et tout est en place? Oui, sauf que je ne retrouve pas Jenny. Oh, elle a dû probablement se faufiler. Tu crois? Écoute, je passe te voir dès que j'ai une seconde. Ok? Ok. On va. Ida, vous ne voulez pas vous asseoir? Je vais vous faire du thé. Je voudrais remettre la main sur ces petites bouteilles de digestif que vous avez remises dans l'avion de Miami. Une fois, il est parti pour Philadelphie. Comme ça, quoi? Son frère habite à Philadelphie. Il était resté parti 13 jours, cette fois-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une absence de 2h20? Mettez-vous des glaçons. Il y en a dans le bac à la cuisine. Sam, quand il me verra malade, il me tuera. Prenez des gants pour le prévenir. Je suis bouleversée, Ida. Faut pas achever. Dites à Sam qu'il m'appelle à l'hôpital. Thank you.
je crois qu'en ce moment, Andrea, il serait de bon conseil que vous réfléchissiez à ceci dans une meilleure ambiance. Et disons en milieu hospitalier. J'ai pris sur moi de vous y faire admettre et dès ce soir. Je vous y accompagnerai. Nous aurons une courte séance de votre installation. Évidemment, nous solliciterons un contre-avis. Mais pour l'instant, pour que vous ayez l'esprit en paix, je crois qu'il faudrait poursuivre. Andrea. Tu vas m'inspecter tous les réfrigérateurs, toutes les cuisinières, toutes les malles que tu pourras ouvrir. Enfin, toute la ferraille qu'il y a là-bas. Pourquoi, un autre macabre? Non. Et qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Un char roux. Émilie, c'est Sam Marx. Les gamins qui jouent à la cave ont retrouvé le corps. Il faut que je le dise. Attends. Écoute, il faut rester chez toi. Et ne laisser entrer personne. Jimmy, j'ai autre chose à faire. Je vais faire passer. D'accord? Tu la raccompagnes, je te retrouve à la voiture. D'accord. Nick? Trouve-moi les noms des particuliers qui habitent à Brooklyn Heights et qui se sont payés un télescope au cours des 8-9 derniers jours. Grand modèle. Le plus cher. Je veux ça pour ce soir. Mais les magasins, ils vont bientôt fermer. Ce soir? Bon, d'accord. Servez-vous un verre? Non, 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 merci. Ce n'est pas nécessaire. C'est bien que vous ayez admis l'idée de l'hôpital. Évidemment, j'allais l'admettre. Ça me fait plaisir. Et en outre, il ne s'agit pas d'un long séjour, vous en êtes très conscient. Quelle durée? Difficile à dire, en l'occurrence. Quelle durée, selon vous? Andrea. Andrea. Où êtes-vous? Je suis là. Oui, je voudrais joindre une malade, madame Ida Marx. Mademoiselle, ça... Ça va faire plus de 5 minutes que je patiente. Je n'ai pas cette madame Marx. Vous êtes sûre qu'elle est bien chez nous? Oui, elle est venue hier soir, tout en fin de soirée. Ben, je n'ai pas cette fiche aux admissions. Attendez voir. Si, je l'ai. Oh, je m'excuse. On a bien une madame Marx. Elle a été admise en chirurgie d'urgence. Merci. Thank you.
séchiche, souche de souche séchée, souche de souche séchée, saucisson, sichette, sucette, merde. Commissariat, j'écoute. L'inspecteur, le phrono, s'il vous plaît. Le phrono n'est pas là pour l'instant. Je peux prendre un message? Mais où il est? Il est de service. Vous voulez laisser un message? Oui. Qu'il me rappelle le plus vite possible. Bob, c'est Andrea. Andrea, Dieu soit loué. Quelqu'un a tué Jenny. Oh, tu ne devrais pas rester seule. Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? Je viendrais bien, mais je ne suis pas habillée. Et si tu venais, toi, ça irait plus vite. Non. Non, je dois pas m'absenter, sortir. Bon, d'accord, c'est moi qui viens. Attends, ne raccroche pas. J'ai loué un atelier sur les quais. Il te faut ma nouvelle adresse. Oui. Attends une seconde. C'est juste après le pont, au 17 River Street, 5e étage. Je laisserai la porte ouverte. Merci, Andréane. Yeah.
des fois, c'est merveilleux, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Dois partir. Oh, mais non. Allô, monsieur Hollander? Ici l'inspecteur Lufrenot de la 12e brigade. Nous cherchons à contacter Émilie Hollander. Elle n'est pas chez elle. Nous pensions que vous sauriez où elle est. Non. Non, elle voit quelqu'un, vous savez. Je ne sais pas qui c'est, mais elle doit être avec lui, je pense. Pourquoi? Elle a fait quelque chose? Non. Non, non, rien du tout. Merci. Allô? C'est bien que tu le saches. C'est bien que ça ne reste pas un secret. Je veux que tu saches où j'en suis. Je t'en prie. N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal. Yo. Qui êtes-vous? C'est moi, Lufrenot. Oui. Il faut que tu me dises tous les taxis qui ont chargé à la résidence de la Tour du Pont depuis une demi-heure. La Tour du Pont? Rue Perle. Mais écoute, j'ai 46 bahuts qui tournent ce soir. Elio, pour moi, fais-le. Ça va prendre du temps, je t'appelle où? 517-21-12. Ok, je fonce. Merci. Presque jamais. Je t'ai vu rire quelquefois. Notamment avec le flic. Ça m'arrive. Vas-y. Quoi? Jette un coup d'œil. Oh. Je crois que si. Non.
Passe-moi celui. Jimmy. Pour Monique. J'ai besoin des noms qu'il y a eu pour les télescopes. Mais oui, je suis Jimmy. Oui, le plus vite possible. Ok. Toi, tu ne pourrais jamais m'aimer. Si je pourrais. Ne me mens pas. Je ne supporterai pas que tu me mentes. ...1215 Riverside. 32, Cramer. 17, Howard. 126, James Bay. 141, Logan. 115, Crescent. Sans intérêt. 29, Brookside. 132, Hunter. C'est tout ce qu'il a eu? Bah oui, c'est tout. Williams, Rollins, Anderson, Gibson. Pas un seul avec une vue. Et bien sûr de ton truc de télescope. Ouais. Ah, sûr, oui, tout à fait. Enlever la page G. Elio? Ouais, j'ai deux prises en charge au 329 Park et au 17 River Street, Brooklyn Heights. C'est au 17 River Street? Ouais. Nous prenons. Écoute. Bah, c'est là. Glasson. Andrea Glasson. Tu es transi de froid. Non. Et tu es transi. Je te répète que je ne te ferai pas de mal. Oh. Nous venons de passer la nuit toutes les deux. Oh. J'aurais pu te faire du mal, je ne t'ai rien. J'aurais pu te tuer, le chauffeur de taxi. C'est cet homme qui est venu chez toi.
Non, c'est moi qui lui ai expliqué à la lettre ce qu'il fallait faire. Ah, la lettre. Est-ce qu'il t'a fait mal? Oui. Non. Parce que je ne l'ai pas laissé faire. Tu mens. Je suis d'accord. Je n'entends rien. Je t'en supplie. Je suis d'accord. Et puis, un bas? Quoi? Ah, fais voir. Allez, montre. Enlève ton. Fais ce que je te dis. Tu as intérêt à m'obéir. Baisse-le. Baisse-le. Ah.
Tu n'aurais pas dû sortir de chez toi. La dernière chose que je t'avais dite, c'est faut rester chez toi, je vais repasser. Je sais. Tu as eu de la chance. Tu t'en rends compte? Elle ne m'aurait jamais fait de mal. Si, détrompe-toi. Allez, viens. Lufreno, on marche. J'ai envie de marcher. Émilie. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Toute la nuit, elle m'a répété qu'elle m'aimait. Tu sais qu'à sa façon, c'est sûrement vrai. Dis donc, tu es toujours à court de café. Je t'ai jamais manqué.